Bonsoir Laetitia, votre paquet vient d'arriver, on va l'ouvrir et regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a une belle déchirure là sur le col. Alors, c'est vraiment déchiré, c'est pas le long d'une couture avec quelque chose qui s'est enlevé. La peau et les cartons. Hein. Elle est sèche la fourrure, Laetitia. Ça craque, ça fait un peu carton. Hein. Là, il y a des renforts pour tenir le col, mais les renforts sont plutôt prévus pour tenir la gabardine à l'extérieur du col et pas la fourrure, donc ça protège pas la fourrure. On a 40 cm quand même de déchirure, il y a toute la parementure ici, elle est partie jusqu'au col, c'est le revers du col qui a claqué, parce que c'est là où il y a le pli du col qui s'ouvre comme ça. C'est ouvert en bas, dans le bas du manteau. Donc on peut regarder par où on va passer. Alors ce qui serait bien pour essayer de réparer, ce qui serait bien c'est de ne pas avoir besoin d'ouvrir le col. On va voir si on peut passer par là. Ce qu'il faudrait c'est que je fasse un check complet pour voir s'il y a d'autres déchirures ailleurs. Parce qu'il ne s'agit pas que je vous en répare une. Il est où mon col? Il est là. Que je vous en répare une et que je vous réexpédie le vêtement avec le truc à côté craqué pareil. Voilà, elle est là notre déchirure. Donc il faut quand même débarrasser un peu. Elle va en profondeur la déchirure. J'essaye de voir où elle s'arrête. Elle s'arrête juste au bord, là. Juste ici. Donc pour aller réparer jusque-là, comment s'est passé ça? Là, c'est accroché. Regardez. Là, c'est accroché à la main le long, donc là, ça s'est déchiré ici. Et normalement, ça reprend là, c'est aussi parti. Et ça s'accroche là. Donc, ce que je vais essayer pour réparer, il ne faut pas que je pique dans la peau. Parce que votre peau, vous entendez le bruit? Votre peau, elle est en carton. Ça, c'est peut-être le nettoyage, c'était pas terrible. Je vais essayer... Là, il y a un bout qui est parti. Je vais essayer de voir si je peux, pour faire au plus facile, coudre un galon là, qui va me permettre d'accrocher la couture sur le galon. Alors, le galon, il est accroché sur la peau. C'est un padou, ça s'appelle. Et je vais padouer comme ça. Et la couture va s'accrocher dans le textile pour pas que la couture tire sur la peau parce que votre peau elle est fendue dans toute la longueur. Donc il n'y a pas besoin de défaire trop largement. Ça va nous gagner du temps. Alors c'est la dimension des peaux c'est du lapin. C'est du lapin. Dans le temps, il faisait des beaux lapins bien épais, du lapin Rex. C'est pour ça qu'il est vaporeux comme ça. Voilà, là. Ah. Regardez. Là, ça part aussi. Bon, il faut que je fasse un check complet. Il n'y a pas de raison que ça ait craqué d'un côté et que ça ne craque pas demain de l'autre côté. Ben, vous me dites, c'est revenu du nettoyage, mais le gars, il n'a pas bien travaillé. Il y a des taches sur la manche, là, sur l'épaule gauche. Vous avez des taches. Laetitia, je vous propose un forfait de 3 heures à 40 euros pour galonner à l'intérieur, poser mon padou,
Et puis faire la réparation des 40 cm à la machine. Ici, sécuriser s'il y a besoin. Je vais vous mettre un bout de cuir derrière pour pas que ça s'arrache au même endroit. Parce qu'il n'y a pas de raison. À chaque fois que vous allez remonter votre colle, ça va être sollicité. Donc il faut renforcer là cet endroit. Et puis refermer à la main ce qui est le fil qui est parti. Ça devrait être le temps qu'il faut. Je vous dis à bientôt.